venu la tester la douche. Oh, ça fait du bien. Tu veux te laver? Oh, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Make me work, make me sweat inside. Make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu les pattes un petit peu coupées là hier, j'ai vu l'annonce comme tout le monde du président avec le confinement là jusqu'au 11 mai. Oh, ah ça m'a coupé les pattes ce matin, voilà, j'ai galéré et tout, enfin bref, c'est pour la bonne cause, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi long et... Du coup, ça change encore beaucoup nos plans et j'ai dit direct à Charlotte, il va falloir que je lève le pied parce que sinon je vais me retrouver sans rien, à rien faire. Donc autant faire ça tranquillement, gentiment et en même temps prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul sur tout ça, ça sera pas plus mal et au final le 11 mai, ça sera vite arrivé. Et on vous tiendra au courant lors du live dimanche en fin de semaine, comme tous les dimanches, vous savez qu'on a notre petit live. On vous parlera de la VAD. On va réfléchir à tout ça dans la semaine, mais il y a de grandes chances que ce soit annulé. On est en train de tout mettre en place et on voilà, réunion de crise dimanche pour la VAD. On vous en dit pas plus, on parlera tout ça dimanche. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous avez vu dans la dernière vidéo, on a installé le chauffe-eau, une petite partie de l'électricité, et là on a des raccords qui sont arrivés. Je vais pouvoir vraiment brancher la pompe. Donc c'est-à-dire que si je veux, je vais pouvoir faire fonctionner ma douche. Une fois que ça s'est branché, je vais continuer l'électricité. L'électricité, déjà, je suis en train de faire la chambre des enfants, qu'ils auront un interrupteur et une prise, et voilà, je branche tout en 1.5, je fais une alimentation qui part dans une prise qui alimente l'interrupteur et la lumière, et je refais des pontages comme ça dans toutes les chambres, et ils auront un disjoncteur pour eux tout seuls. Je sais que j'aurai un disjoncteur en 10 ampères pour les enfants, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. De toute façon, je passe tout en 1.5, en 3G 1.5. Déjà parce qu'on peut faire passer pas mal de watts dans du 1.5 et ça ne sert à rien de mettre du 2.5. Sachant que mon convertisseur, il coupera à 3000 watts. Donc, et j'aurai jamais 3000 watts de puissance dans le camion, c'est pas possible. Le plus gros de puissance qu'on va avoir, ça sera la machine à laver quand la résistance elle va tourner. C'est environ 1200 watts de mémoire, voilà, et pas longtemps, quoi, ça va tourner 20 minutes, 30 minutes, et elle s'arrête, donc les fils n'ont pas le temps de chauffer, voilà. C'est vraiment sécurisant, de toute façon, s'il y a le moindre problème, le convertisseur, lui, il se coupe, il se met en sécurité. Là, vous pouvez apercevoir le petit coffret 220, avec, je l'ai rempli, en fait, c'est un 8 modules, et j'ai mis 6 disjoncteurs en 16 ampères et 6 disjoncteurs en 10 ampères, voilà, parce qu'il y aura un disjoncteur spécifique pour la gazinière. Il y aura un disjoncteur pour la machine à laver et ensuite il y aura toute la cuisine avec le frigo. Et après il y aura tout ce qui est 10 ampères, donc il y aura les chambres des petits, tout ce qui est faible intensité, je mets ça sur du 10 ampères. Et j'ai mis un interdifférentiel aussi, voilà. Ensuite là c'est un petit module où j'aurai peut-être un petit cadran avec mon solaire pour voir combien je suis en volts. Et j'ai des boutons aussi qui doivent arriver en 12 et 24 volts pour alimenter les pompes à eau. Et le planard qui fonctionne au 24 volts aussi et le lanterneau. Avec la ventilation qui va tourner au 12 volts. Voilà, donc j'aurai un petit convertisseur aussi 12-24 qui sera à l'intérieur pour faire fonctionner les éléments qui sont en 12 volts. Et là, Charlotte a été chercher... Oh, elle est grande la douchette, c'est quoi ce truc? C'est énorme. Voilà, pommeau de douche, des petites prises. Petites prises. Ah, c'est des prises comme ça étanches. Ouais, ben c'est vrai qu'on peut pas trop choisir en ce moment. Hein. C'est pas très... Ça sent bizarre, là. Ça sent la banane, je suis en train de manger une banane. Il réouvre le magasin, ils ont dit, non? Bah ouais, mais là, c'était fermé. Bizarre qu'ils réouvrent des magasins. Là, c'était fermé, ils n'ont pas parlé d'ouverture. Là. Ah ouais? Ils t'avaient dit la semaine dernière qu'ils allaient réouvrir tout doucement. Ouais, partiellement, ils m'ont dit. Partiellement, ouais. On a une date et on va faire avec, hein, c'est tout. Allez, moi, je me mets au boulot et je vous dis à tout à l'heure. Mais ça va être tranquille, comme je vous ai dit, ça va être tranquille. Ouais, on va lever le pied bien. Un peu. Ça va te faire du bien. Ouais, toi aussi. On va se prendre un petit peu de bon temps, au pire. Exactement, ouais. Ça va être bien pour reprendre bien l'école correctement. Voilà. Tu fais quoi, là? Arrête. Vous l'avez vu? Ah, je l'ai surpris en flagrant délit de gourmandise. Attends. Et je raconte, hop. Les petits font ça, en plus. Bah ouais, attends. Après, tu t'étonnes des fois que tu peux prendre quelques grammes.
Alors la plomberie est quasiment finie au niveau de l'alimentation de la pompe à eau. Je vais vous faire voir comment j'ai branché ça. Je vais vous parler aussi du cordon chauffant que j'ai installé et je vais vous montrer la douchette. La douchette est installée, donc c'est une douchette tout à fait standard, rien à signaler si on peut dire ça comme ça, voilà. Donc elle est en attente parce que j'ai mis de la colle un peu partout parce que c'est pas de la super qualité. Il y a beaucoup de plastique, alors j'ai préféré un petit peu coller pour que ce soit plus costaud dans le temps. Alors le cordon chauffant c'est quoi? Vous pouvez apercevoir la prise qui est ici. C'est un cordon chauffant qui fait 60 watts et qui mesure environ 6 mètres. Donc j'en ai mis sur les deux tuyaux que j'ai entortillés. Ensuite ça passe dans de l'isolation au cas où, parce que vous voyez on n'est pas très loin de la porte, donc là je vais avoir des ponts thermiques. Ça passe dans l'eau froide et ça revient dans l'eau chaude jusqu'ici. Et ben, je l'ai mis entortillé comme ça là-bas pour que ça fasse à peu près propre. Voilà, c'est branché, ça se met en route à partir de 3 degrés et ça se coupe à partir de 8 degrés. Voilà, pour éviter que mes cordons ne gèlent, parce que mon seuil de porte qui va recouvrir tout ça sera en inox et sera forcément en contact avec l'extérieur. C'est vraiment une mesure de sécurité si on va dans les pays froids. Ensuite, la pompe, vous pouvez apercevoir qu'elle est quasiment branchée. Vous avez un T avec l'arrivée d'eau froide qui est là-bas qui part au chauffe-eau. Vous avez un petit T qui repart à gauche avec un coude. C'est l'eau froide et l'eau chaude qui viendront alimenter par la suite l'évier de la cuisine. Voilà, j'espère que cette petite pompe sera assez puissante car elle fait 2 bars et 10 litres minute. J'ai pris vraiment la plus petite parce que d'habitude, parce qu'avant on avait toujours des soucis, on avait trop de pression. Mais c'est vrai que la voyant petite comme ça, j'espère qu'elle va vraiment avoir la puissance. Si ça ne va pas, j'en reprendrai une autre plus puissante. Et celle-là, on la gardera en secours. C'est toujours bien d'avoir une pompe de secours. Vous remarquerez aussi que j'ai mis le maximum de tuyaux en multicouche et en flexible. J'ai vraiment que 2 tuyaux souples qui sont sur votre gauche avec les 2 réservoirs. C'est les 2 seuls tuyaux souples qu'on a parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, je pars uniquement en multicouche et en flexible pour un souci de fiabilité. Ah, bah vous êtes là encore ? Dis donc, vous êtes partout en ce moment, hein ? Aujourd'hui, je suis en train de monter cette prise électrique parce qu'hier, j'ai fait une bêtise. J'ai voulu tester la prise des enfants avec l'interrupteur, voir si j'avais bien branché les ampoules, parce qu'en fait, les interrupteurs, je les ai mis à l'envers, j'ai tout décalé, donc je me suis un petit peu perdu dans les fils. Et vous savez que l'électricité, c'est pas mon fort. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu brancher directement 2 fils dans une prise parce que j'avais pas de prise avec un domino, vous savez, pour faire un test. Et j'ai touché les 2 fils. Donc je peux vous dire que ça m'a secoué hier. Hein. Oh là, Charlotte a été là, elle a eu peur. Ça fait comme ça. Et après, j'ai relâché le fil. Oui, je sais, vous allez dire, oui, c'est pas sérieux, patati patata. Voilà, voilà, ça arrive, hein, c'est un petit accident. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai dit, Jérémy, si tu veux tester, fais ça bien, monte ta petite prise extérieure, commence à brancher déjà ton interdifférentiel, tes disjoncteurs, et t'allumes ton disjoncteur et tu vois tout simplement si ça fonctionne, quoi, voilà. Chose que j'aurais dû faire hier. Donc, comme j'ai fait une bêtise hier, je répare ma bêtise aujourd'hui. J'ai fait un trou dans la carrosserie pour monter ma prise extérieure. Voilà, vous savez, les prises de caravane hein, qui se montent à l'extérieur. Et comme ça, déjà, j'aurais plus de fil qui passera par la fenêtre parce qu'en ce moment, j'ai un fil qui traverse la fenêtre et qui vient jusqu'ici avec des rallonges, tout ça. Voilà. Donc, je branche cette prise. Ensuite, cette prise, elle arrive ici qui va être branchée sur l'interdifférentiel et de en bas, je crois. En bas ou en haut, je sais plus trop, je vais regarder. Moi, l'électricité, je perds très vite parce qu'en fait, j'aime pas. Et du coup, dès que j'apprends un truc, un mois après, j'ai dû oublier. Enfin bref, je branche sur interdifférentiel et après, de l'interdifférentiel, ça part sur tous les petits disjoncteurs et c'est entre guillemets protégé. Voilà, si bien sûr, on branche la terre. Pour brancher la terre, ce qu'il vous faudrait, c'est relier vos terres, avoir un piquet de terre que vous branchez quand vous vous garez dans la terre. Voilà. Mais votre carrosserie ne fait pas terre, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Non, non, pour vraiment avoir la terre, comme son nom l'indique, il faut être branché à la terre. Votre véhicule est isolé avec les roues, donc il ne va pas à la terre. Donc normalement, pour faire ça dans les règles de l'art, il faudrait brancher toutes vos terres, avoir un petit piquet de terre comme dans une maison, et à l'extérieur, bah, vous l'enroulez, et quand vous sortez, vous le déroulez, vous le piquez. Logiquement, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et logiquement, si vous n'avez pas votre terre de brancher, si je dis pas de bêtises, votre interdifférentiel ne fonctionne pas. En parlant d'électricité, j'ai eu ma chope solaire. On a commencé à configurer notre installation. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'ils travaillent toujours. Ils sont en service limité, ils font beaucoup de télétravail. Mais ils arrivent quand même à fournir, ils ont un petit peu de stock et ils arrivent à livrer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal en ces temps difficiles. On a vu avec ma chope solaire, du coup, j'aurai normalement 3 panneaux qui seront rangés comme ça. Ensuite, ici, j'ai mon lanterneau et peut-être qu'on en mettrait 2 de chaque côté pour essayer de pousser
à 1400, 1500 watts, ça serait vraiment pas mal. Franchement, si j'arrive à me mettre à 1400, 1500 watts, ça serait bien. Ensuite, on aura un régulateur simple avec un convertisseur. Voilà, j'ai pas pris le tout intégré, j'ai pris en séparé un régulateur de charge. Ensuite, un convertisseur Victron en 3 kVA. Bah, si je dépasse 3 kW, le convertisseur, de toute façon, lui va couper et va se mettre en sécurité. Normalement, on va essayer de se faire livrer dès qu'ils pourront. Ensuite, en batterie, on aura 440 ampères en 24 volts. Si je dis pas de bêtises, ça sera des batteries gel plomb carbone. Voilà, ça sera un peu plus tout terrain que les batteries qu'on avait avant, un peu plus adaptées, entre guillemets, à notre utilisation avec Martin. Et puis, on aura un petit BMW 712, si je dis pas de bêtises, tout ça contrôlé aussi avec les smartphones. Tous ces appareils-là, ils font bien entendu Bluetooth, ce qui fait que je pourrai avoir mes consommations, mon autonomie, tout ça sur mon téléphone. Et je vais aussi brancher un Sirix pour recharger mes batteries cellules quand on roule. Voilà, donc ça, je vous retiendrai au courant. On fera une belle installation là-dessus avec notre partenaire MyShop Solaire. Vous savez qu'on adore travailler avec eux. Et en plus, ils sont vraiment de très bons conseils. J'en profite pour vous dire que vous avez toujours un code promo sur MyShop Solaire en tapant le mot de passe The Vadrouilleur Forever. Je branche ma prise. Ensuite, on va aller ensemble faire le test de la chambre de Lucas. Je sais que ça fonctionne déjà, mais je voulais vraiment vous laisser le suspense de voir la petite lumière s'allumer. Voilà, ça fait quelque chose. C'est un tout début d'électricité. Même quand ça sera branché, ça commence à être le début de plein de choses en fait. Parce qu'on n'a plus de fil qui dépasse, et après c'est pareil quand on a l'eau qui fonctionne, le chauffage, l'eau chaude. Ça commence à vraiment faire une petite maison tout autonome, et ça c'est super gratifiant quand on travaille quoi. Voilà, c'est bon, la prise est montée, je vous montre ça. Tadam ! Prise caravane, au moins on va pouvoir se brancher en toute sécurité sans risquer de se faire électrocuter. Et là Lucie, elle est en train de ranger des musiques. Elle les classe par ordre, donc country, hip hop, pop, rock, dance, suspense. On a fait des petits dossiers, on range tout ça bien classé pour les montages. Et je vais essayer, je dis bien je vais essayer, dans chaque vidéo, de vous mettre le nom des musiques qui composent les vidéos. Je vais essayer parce que c'est pas évident, ça demande énormément de boulot, mais je vais essayer de le faire. Vous êtes beaucoup à me demander souvent, c'est quoi ce titre-là 10 minutes et ce titre-là 20 minutes et celui-là 4 minutes, qu'est-ce que c'est? Je l'aime bien. Et du coup, je vais essayer de vous les mettre. Laissez-moi un petit peu le temps de m'organiser. Ça sera fait à partir des prochaines vidéos, peut-être. Mais pas les vidéos d'avant, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on commence à les ranger avec Lucie pour pouvoir mieux les retrouver, pour pouvoir les mettre. Donc je vais essayer, quand je fais mes vidéos, quand je monte mes vidéos, de me faire un petit dossier et mettre musique 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc les musiques, dans la description, vous aurez musique 1. C'est la première musique qui compose la vidéo. La 2, c'est la deuxième musique, et voilà, s'il y en a une à la fin, que c'est la cinquième, elle s'appellera 5, et je vous mettrai le titre. Et vous pourrez acheter ces titres-là sur le site Artlist. Nous, on a un abonnement à l'année, on n'est pas obligé de les nommer, mais du coup, s'il y a des musiques qui vous plaisent, bah autant les nommer, ces gens-là, ces artistes, pour que vous puissiez aller acheter leur musique, en fait, tout simplement. Voilà, laissez-moi un petit peu le temps de m'organiser, je vais essayer de le faire. Bon, regardez, j'ai branché quelques fils là-haut, et normalement, ma prise qui est en bas, voilà, je vais bien cadrer, devrait être en fonction. Ça, c'est la prise extérieure que je vais aller brancher. Ensuite, ici, j'ai des prises, une pour le chauffe-eau et une pour le cordon chauffant anti-gel pour éviter que les canalisations d'eau ne gèlent. Donc, normalement, toutes les deux, elles sont en fonction. La petite prise qui va bien. Oh là là, le soleil, là, ça tape. Hein. Voilà, je vais chercher à la ronge. Je branche, c'est symbolique. Hein. Attention, ça va péter. Non. Allez, on retourne à l'intérieur. Je mets le différentiel. Ah non, vous avez eu peur. Vous savez que ça allait arriver en même temps en me connaissant. Voilà. Jérémy, t'as pas d'autres conneries à faire. Attention. Prise. Oh là 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 là. J'essaye la deuxième. Nickel. Ça fonctionne. Ah, je suis content. Pour quelqu'un qui n'aime pas faire l'électricité,
Je me débrouille et ça, c'est formidable. J'essaye l'interrupteur ici, attention. Ah, là, ça marche pas. Ah, c'est normal, j'ai pas allumé le disjoncteur. Oh, ça saute pas déjà, c'est bien. C'est un bon signe. Voilà, ça fonctionne. Impeccable. Je vais pouvoir travailler en toute sécurité. Je suis content. Donc voilà, cette rallonge dégueulasse, elle est plus à l'intérieur. Je vais pouvoir brancher mon enceinte et mes outils sur mes deux prises là-bas, qui sont sur un 16 A. C'est impeccable. Bon, tout le monde s'y met. Charlotte qui est en train de mettre des réglettes là-bas. Ça va, ça se passe bien, non, chouchou? Ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? J'ai encore coupé trop. C'est assez. Théo est en train de faire le bas. Regardez, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Ça, ils l'ont fini. Théo qui a fait ça. Voilà. Et ils sont tous en train de faire chacun leur chambre. Ça va, Lucie? En plus, avec nos lampes, c'est trop frais. Alors, elles sont bien, vos lampes? Ouais. Et en fait, il faut pas avoir plus gros parce que j'avoue, rien que ça, ça nous suffit. Et ouais, ouais, faut pas. J'ai pris les moins puissants pour pas que ça vous éblouit le matin. Chouchou, toujours pas? Non, ça m'énerve. Charlotte la coccinelle. Oh là là, 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 oh là là. Plein de choses aujourd'hui. Ouais, normalement vous entendez super bien Charlotte parce qu'elle est équipée d'un petit micro maintenant. Et ouais, maintenant elle est équipée, on a chacun un micro. Ouais. On est super contents parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a branché la prise extérieure. Il n'y a plus de prise qui traîne dans le camion. J'ai branché la pompe à eau. Les prises sont branchées, tout fonctionne. Prise et lumière. Prise et lumière, les réglettes sont mises. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure, vous allez voir, c'est chouette. Le mitigeur et la pomme de douche, parce qu'elle n'y était pas, la colonne de douche. Exactement, tout ça s'est installé. Et là, j'ai mis deux bouchons pour boucher les tuyaux qui vont là-bas, qui sont ouverts. Ce qui fait que là, j'ai attendu, on a tout rangé, on a dit, on va allumer l'eau pour remplir les cuves et on va faire ça tous ensemble. Voilà, on n'a rien préparé à part avoir mis le tuyau dans le bouchon. On va faire ensemble un test et on va voir si ça fonctionne. J'avoue, on a un peu la pression. On est excité, mais on a un peu la pression quand même. Allez, on recharge en eux, on voit ce que ça donne. J'ai branché au provisoire une petite batterie pour faire marcher la pompe qui fonctionne aux 12 watts, au 24 d'ailleurs. Si je l'allume... Oh, ça marche. Allez, on va charger en eau. C'est parti, ça charge. Oh là là, regardez. Hop. Ah, ça fait bizarre, ça y est, l'eau elle coule dedans. Ah ouais. Oh, c'est dingue. Tu regardes pas sous tes coffres, pourquoi c'est ça? Vous entendez? On va regarder dans le coffre. Va. Regardez. C'est quoi ce tuyau blanc là? Tuyau blanc, c'est pour aspirer l'eau. Ok. Le premier remplissage de cuve, et on fait ça ensemble les bandits. Voilà, donc là ça remplit, c'est cool. Chouchou, elle pensait qu'il y avait une jonction, mais non. J'étais encore partie sur le remplissage ensemble. En fait. Et non, voilà. Donc pas de risque de fuite. Normalement, pas de risque de fuite, là, j'adore, peut-être. J'ai mis aux gens, on voit l'eau. Ouais, j'ai fait voir, regardez. Ah ouais, vous entendez? C'est quelque chose, hein, le premier remplissage en eau. Hein? Ça, l'électricité, ça te fait quoi? Bah, ça me fait que ça avance. Et que c'est trop bien. Bah, c'est les points les plus importants. En même temps, l'eau et les lecs, c'est super important. Donc là, ça fait du bien. Bah, que là, il manquera plus qu'à installer les lumières. Ouais. Mais ça sera des petites lumières à LED. Je pense que ça va pas être prise de tête. Ouais, je pense que ça va pas être prise de tête. Et franchement, c'est trop bien. Le gros chantier, là, ça va être d'installer le lanterneau. Eh bien, on peut allumer l'eau. Attention. On va voir s'il y a des fuites. Là, c'est fermé, les vannes. Et du coup, je ferme la vanne de gauche. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir, j'ai des vannes, une à droite, une à gauche, pour les différentes cuves. Je suis assez fier de moi. Donc là, je ferme la vanne de gauche et j'ouvre celle de droite.
comme on est sur celle de droite. C'est bon, t'as bien réfléchi. Ouais. Il y a une petite lumière et tout. Ah, mais faut l'amorcer peut-être aussi. Ah non, c'est bon, l'eau est cool. Ça va arriver, garde. Ah ouais. Tu vois ? Voilà. Oh là là. Ah, oh, ça y est, ça coule. La pompe est partie. Le chauffe-eau en train de se remplir. Il faut peut-être faire un vide d'air. Allume l'eau froide, chouchou. Parce qu'il faut évacuer l'air du chauffe-eau, s'il te plaît. Donc ça, c'est normal, c'est plutôt cool. Et on va attendre que ça se remplisse. C'est à 15 litres à remplir. Là, c'est une 10 litres minute. Bah ben voilà, dans une minute et quelques, ça sera rempli. C'est silencieux, fais voir le bruit. Ah ouais, c'est génial. C'est hyper silencieux, ça. Ça sera dans des coffres, donc... Pas de fuite pour l'instant, non. Ah, les fuites, c'est toujours la hantise en plomberie quand on teste. Là, j'ai mis des petits bouchons, tu vois, chouchou. Ça, c'est ce qui va à la cuisine. Donc, c'est bon. Elle va détecter, de toute façon, quand, quand ça sera plein, elle va se couper, normalement. Tu sais, quand elle en arrivera en pression. Ah, mais ça... Oh là. Je l'ai senti arriver. T'aurais voulu que je m'en prenne. Voilà. Et... Ça va la pression, c'est pas mal ça. Non, c'est pas à fond. Ah bah si, c'est à fond. Non, j'ai pas mis à fond. Ah bon? Allez, on va couper l'eau. Vas-y, mais à fond, mais j'ai pas mis à fond. Oh, comment elle se coupe bien, t'as vu ça, c'est génial. Voilà. Ah, t'as vu comment elle se coupe? Du coup, ça s'éteint quand tu coupes. Oui, comme une pompe à membrane, sauf que t'as pas le bruit désagréable de la membrane. Brrr, c'est ça que je disais. Dans Flash ou Captain, je sais plus, quand tu tirais de l'eau, ça... même quand t'arrêtais de tirer de l'eau, parce que ça continue de se remplir. Parce qu'il y avait une vessie. Là, il n'y a pas de vessie. Elle tourne quand t'as besoin d'eau. Et c'est quoi? C'est bien dans les deux ou... Bah, c'est... Ce qui est bien, c'est que ça prend pas de place. Et elle détecte quand il y a un manque de pression. Tu vois? Elle va se remettre en haut tout doucement. Hop, voilà, elle est partie. Et elle se règle, regarde. Grâce au petit module électronique qu'il y a dedans, si tu n'as pas besoin de beaucoup de pression, elle tourne tout doucement. Regarde, là je vais mettre de la pression, elle va tourner plus fort. Non, là j'ai coupé. Tu vois, hein ? Voilà. Tu vois ? Je vais pas m'y faire avec le robinet. Est-ce que vous voulez qu'on teste le chauffe-eau ? Il est branché. La touche, c'est comment? C'est froid ou c'est chaud? Ah, moi, je veux prendre ma douche. Attends, ah ouais, vas-y. Oh. Oh, ça fait du bien. Oh non, c'est chaud, là. Comme ça, c'est pas mal. Là, c'est bien. Oh, tu veux te laver, hein? Tu veux te laver? Maman, j'ai trop de mal à tester la douche. Ah, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Là, il est... Ça, la douche, c'est le premier moment. C'est le premier vrai moment. Hein? C'est vraiment le moment. Oh, papa, il prend sa douche. Oh, je commence à plus avoir d'eau chaude. Oh, attends. Il y a tout qui doit pas être chaud. Qu'est-ce qu'il fait, papa? On fait comment? Tu vas me chercher une serviette? Ah bah, tu te débrouilles. Allez, allez me chercher une serviette, s'il vous plaît. Non, non, c'est bon, allez, on y va. Non, non, tu te débrouilles. Sérieusement? Non, tu te débrouilles. Allez, s'il te plaît, une serviette, quoi. Chouchou! Bon, bah, je vous laisse, je sais pas comment je vais faire. On se retrouve samedi pour la vidéo. Tu vas me chercher une serviette, Lucas? Ah, il va aller me chercher une serviette, mon chou. Voilà, rendez-vous samedi pour la présentation du véhicule pendant les travaux. Et moi, je sais pas si je continue à prendre ma douche ou j'espère que Lucas va ramener une serviette. Charlotte, elle a pas dit au revoir. Elle m'a laissé tout seul. Comment je vais faire? Je veux pas savoir quoi, s'il vous plaît. Venez me chercher. If at first you don't succeed, you better try, try again. Clenched fist can't plant a seed.
just open up your hands.